petit déjeuner pour les plus jeunes. Tendez bien l'oreille. Ouh, elle est contente, hein, la jeune fille là. Pourquoi elle est contente comme ça? On va en parler tout à l'heure. Herman Ivoire USC. Aïe, 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 aïe. Herman est là. Comment vous allez? Comment vous allez, les frères? J'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère que vous allez bien. Je vérifie rapidement mon micro. Oh, ouais. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très, 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 très bien, les frères. Il nous a été posé la question de savoir comment être donc heureux. C'est une question, hein, les gars. Comment être heureux de la vie? Waouh! Ça m'a été posé par Monsieur Kouadio Pierre de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Comment est-ce que être heureux de la vie? Vous savez, je retiens quelque chose concernant le COVID-19. Nous sommes tous liés. Le COVID-19 nous a montré à telle enseigne combien de fois nous sommes liés. Parce que quelqu'un qui est rapidement en Chine peut venir contaminer quelqu'un qui est aux États-Unis, vice-versa. Quelqu'un qui est en France peut contaminer quelqu'un qui est peut-être au Togo, vice-versa. Parce que la vie est faite ainsi, vous voyez. Et donc, à cause de cette liaison, voilà, j'aimerais dire à chacun et à chacune d'entre vous de ne pas vous renfermer sur vous. C'est la première des choses. Ne vous renfermez pas sur vous. Par exemple, prenons le côté du couple. Vous voyez l'image qui défile derrière moi. C'est un couple heureux. Un couple que je vais pousser, vous allez bien voir, voilà. C'est un couple qui jouit donc de sa vie de couple. Ils sont en train de rire, ils sont en train de s'amuser. Vous voyez, c'est très important, les frères, de ne pas se renfermer sur soi. Que tu sois dans une relation amoureuse, simplement copain-copine, ou si c'est dans ton couple, la seule chose qui peut t'aider dans ta vie à être heureux ou heureuse, c'est de te libérer, de ne pas être renfermé. Parce que nous sommes liés, l'internet nous le prouve, nous sommes liés à tous les niveaux, les frères et sœurs. Ne sois plus renfermé sur toi. Il faut que tu identifies la personne en qui tu peux croire, la personne avec qui tu peux parler, la personne à qui tu peux, confier certains de tes sujets, parce que dans la vie, il ne faut pas confier tous ces sujets donc aux gens. Voilà, donc ne sois pas renfermé, la première des choses. La deuxième des choses, j'aimerais réellement parler de ceci. Le passé est un piège pour chacun et pour chacune d'entre nous. Le passé négatif, même le passé positif. Parce que quand tu penses hier, j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, ça va te rendre triste. Donc oubliez un tant soit peu le passé qui te tracasse. Le passé de regret. Le passé où tu te souviens et ces souvenirs font que tu es triste. Oublie un tant soit peu le passé et apprends à vivre le présent. Le passé, peut-être que ton papa était vivant, ta mère était vivante et maintenant tu n'as plus de père ni de mère. Ça modifie ta vie, ce n'est pas grave. Mais tu peux vivre le présent que tu es là, que tu as. Le passé, tu avais une voiture, une maison, de l'argent, ou bien tu avais quelque chose que je ne connais pas, qu'aujourd'hui tu n'as pas. Mais tu peux utiliser ce moment-là pour bien vivre. Je pense que c'est vraiment important. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ici à ne pas se focaliser sur le passé. Parce que le passé, c'est le passé. Une autre chose, que tu sois au travail, que tu sois parmi les gens qui te sont un peu étranges. Par exemple, tu es un noir et tu es parmi les blancs, n'est-ce pas? Ou bien, je ne sais pas moi, parmi tes amis, tu es le seul qui ne travaille pas encore ou bien qui n'est pas encore marié. Il faut croire en toi. La croyance en soi fait en sorte que tu développes des sensations de joie. Parce que tu crois en toi. Tu crois en toi. Tu sais qu'un jour ton mariage viendra. Tu sais qu'un jour ton travail viendra. Tu sais qu'un jour ton visa viendra. Tu sais qu'un jour tu seras aussi dans ton pays de rêve. Il faut croire en toi, il faut croire en ton étoile. Fais-toi confiance. Est-ce que tu me comprends? Fais-toi confiance, donne-toi du tonus. Encourage-toi. C'est très important. Une autre chose, pour ne pas trop tarder sur le point. Une autre chose que je voudrais dire, c'est de croire en ce que tu fais. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, vous voyez, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit, toute chose que vous êtes en train de faire, faites-le comme si c'est pour Dieu que vous le faites.
C'est-à-dire, même quand tu mets le pouce bleu, sois content de mettre le pouce bleu. Parce que tu le mets pour une bonne cause. Quand tu fais quelque chose, même quand tu travailles, tu es au travail, il faut faire comme si c'est pour Dieu que tu fais. C'est une manière de dire que fais les choses librement. Fais les choses de manière pas stressante. Que ta manière ne soit pas stressante. Que tu ne sois pas mécanique, ou bien robotique. Comme un robot, sois relax dans tout ce que tu fais. Ça va t'aider à bonifier en toi cette joie. Est-ce que vous comprenez un peu? Une autre chose dont je voulais parler un peu ici, c'est d'apprécier la vie que tu as. Il faut apprécier le genre de vie que tu as. Si tu es marié, parce que très souvent, le mariage, c'est dans le couple que beaucoup deviennent plus heureux ou plus heureuses. Et dans le couple, beaucoup deviennent plus malheureuses ou plus malheureux. Malheureusement. C'est-à-dire, quand tu es célibataire, tu te dis, si je pouvais redevenir célibataire. Parce que si tu tombes sur la mauvaise personne, c'est grave. Il faut apprécier donc le couple que tu as, la fiancée que tu as, la femme que Dieu t'a donnée, l'homme que Dieu t'a donné. Il faut l'apprécier tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est très important. Il faut apprécier ta chaussure que tu as. Il faut apprécier les moyens que tu as. Il faut apprécier ton salaire que tu as. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le salaire que tu as. Même si c'est $500 par mois. Même si c'est 250 000 par mois. Même si c'est 150 000 francs CFA par mois. Même si c'est 1 000 euros par mois. Il faut apprécier les 1 000 euros par mois. Parce que 1 000 euros par mois, qui est peut-être très peu par ceux que tu es en France, mais quelqu'un qui est quelque part dans un campement, même si on lui dit on va te donner 200 euros, qui fait par exemple 100 000 et quelques, il sera heureux. Il va se voir comme une personne qui a réussi. Parce qu'il va se faire 100 000 par mois. Parce que dans ce monde où nous sommes, il y a des personnes qui ne se font pas 100 000 par mois. Il y a des personnes qui sont vigiles, qui mettent leur vie en danger en Afrique, qui surveillent les banques. Ils peuvent tomber sur des braqueurs pour les tuer. Mais on leur donne 50 000, 60 000 par mois. Mais toi, tu as 1 000 euros. 1 000 euros, ça fait calcul mentalement 500 000 francs CFA. Hein? C'est vrai que là où tu es positionné, 1 000 euros n'est pas beaucoup. Mais il faut apprécier les 1 000 euros que tu as. Parce que quelqu'un même est dans le même pays que toi et la personne ne gagne pas ce que tu as. Oh! Il y a des personnes qui ont fait peut-être 10 ans ici. OK? Moi, je connais quelqu'un qui a fait 11 ans ici. Il va montrer un jour son compte bancaire. Il dit, tu vois, moi, j'ai 50 000 $. Oui, 50 000 $, c'est beaucoup. Mais pour 11 ans, 50 000 $, mais il apprécie ces 50 000 $. C'est ce qu'il a réussi à économiser. Parce qu'il a deux enfants, il a une femme à la maison, il paye les loyers et son fonds, actuellement, c'est 50 000 $. Il était très content. Quand il m'a dit, il faut me montrer pour toi. Il dit, non. Il dit, non, vas-y, mon ami. Il dit, OK. Donc, j'ai ouvert mon compte. Vous savez, avec les applications, tu peux montrer. Voilà. Donc, j'ai ouvert et montré. Il m'a dit, sois fort. Tu n'es que ici, ça fait 2 ans. Je sais que d'ici, tu vas faire les 10 ans, 11 mois comme moi. Tu vas voir pour moi, la multiplier par 5. J'ai dit, amen, j'ai saisi ça. Mais multiplier par 5, ça fait combien? 50 000 fois 5, ça fait 50. Ça fait 250 000 $. Donc, d'ici 11 ans, je pourrais avoir 250 000 $ comme économie. Y compris donc les dépenses, si on enlève les dépenses, c'est ce qu'il a prophétisé sur moi. Et je prends. C'est vrai que ma foi que j'ai, ça peut aller au-delà de cela. Mais c'est déjà bon. C'est une manière pour me dire que ce que tu as, il faut l'apprécier. Parce que quand tu as fait 11 ans aux États-Unis, tu pourras aussi me dépasser. Vous comprenez un peu? Apprécie ce que tu as. C'est très important, mon frère. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Le téléphone que tu as là, c'est le meilleur téléphone que tu as dans ta vie là. C'est le meilleur des téléphones. Il n'y a pas un téléphone qui dépasse pour toi. L'ordinateur que tu as là, c'est le meilleur. Le niveau intellectuel que tu as là, c'est le meilleur. Le travail que tu fais là, il n'y a pas un autre travail plus élevé que le travail que tu fais dans ta vie. Dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui fait un travail plus élevé que pour toi. Parce que c'est ta vie, c'est ce que Dieu t'a donné. Ma vilaine chaise que j'ai là, j'apprécie ma vilaine chaise dans laquelle je suis, je fais la vidéo. Demain, je pourrais avoir une autre jolie chaise. Pour l'instant, là, j'apprécie ça, je respecte ça. C'est pourquoi le blanc, même s'il y a 5 centimes, il va garer sa voiture, il va soulever les 5 centimes. Les gens, ils apprennent à respecter les choses. Respecte les moyens que tu as. Respecte ce que tu as, ça va t'aider. Il faut aussi bondir sur tes talents. Il faut travailler tes talents. Il faut exploiter tes talents. Il faut aimer ton talent. Ton talent. Est-ce que tu as découvert ton talent? Quand tu exerces dans ton talent, la chose dans laquelle tu aimes, la chose qui te permet de te défouler, découvre ton talent, exerce dans ton talent, cours dans ton couloir, ça va profiter à ta joie, ce que l'anglais appelle happiness. Ça va t'aider à aller de l'avant. Vous voyez, le sujet est tellement large, je suis en train de faire selon les petites idées qui me reviennent et les petites idées que j'ai notées sur Word ici. Et une autre chose, mais il faut beaucoup rire, il faut adopter l'attitude du sourire, je vous assure.
Il faut aimer les choses qui font rire. Il faut te concentrer aussi sur certaines choses, hein, qui te permettent de te ce que le bon français dit, évader. Il faut t'évader souvent. C'est-à-dire tu sors, comme si tu sors de ton corps, comme si tu n'avais pas de problème. Il faut aimer les gens. Quand tu les regardes, tu es content. Quand tu les regardes, tu es tonifié, tu es bonifié. Comme Herman Ivoirien hier, c'est par exemple. Ah oui? Ah oui? La plupart de mes vidéos, ça fait du bien aux gens. Vous voyez, au niveau de la joie, il y a des gens, quand ils me regardent, ils sont contents. Même dans cette vidéo, ils sont en train de mettre les pouces bleus s'ils ont oublié. Ils sont en train de commenter présentement même. Parce qu'ils sont contents. Vous voyez, il faut... Les frères et sœurs, il faut beaucoup sourire. Le sourire, vous voyez, la Bible dit un cœur joyeux donne la vie aux os. C'est une manière de dire que, vous voyez, les gens qui ont des rides, les gens qui vieillissent vite là, c'est les gens qui sont toujours fâchés, toujours leur visage est comme ça. On doit punir des caterpillars. Non, ne sois pas comme ça. Il faut rire. Le sourire dégage les zones négatives et attire les zones positives. C'est très, 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 très important. Il faut aussi aimer les autres. Il faut, quand tu as l'amour, quand tu vois quelqu'un qui évolue dans la vie, tu es content. Quand tu vois quelqu'un qui traverse les problèmes, tu le soutiens. Tu lui apportes donc ton énergie. Il faut aimer partager. Quand tu partages, ça fait que toi-même tu es content. Regardez, la Bible dit, je vais beaucoup prendre l'exemple sur la Bible, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais la Bible dit, la main qui donne là, elle est plus heureuse que celle qui reçoit. Donc, aimer aider les gens. Quand tu aides les gens, toi-même, ça te donne la joie parce que c'est comme si tu es un apport dans la vie de quelqu'un. Celui qui apporte, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si toi, tu arrives à donner quelque chose à quelqu'un comme information, c'est que tu es informé. C'est parce que tu es informé que tu donnes information. C'est parce que tu sais parler que tu fais vidéo et puis ça fait du bien à quelqu'un. Donc toi-même, ça te donne la joie. Parce que quand tu postes, que tu vois 100 likes, comme la dernière vidéo, la vidéo que j'ai mise avant-hier, hein, voilà, où j'ai parlé donc du sujet. C'était quoi le sujet? J'ai quand même oublié. Hein. Quel métier choisir? Il y a déjà 100 pouces bleus en bas et il y a 0 dislike. Tous ceux qui ont regardé les vidéos et qui ont voulu réagir dans les pouces bleus, ils ont mis pouces bleus comme ça. Il y a 100 personnes qui ont liké et 0 personne qui n'a pas liké, qui n'a pas aimé sur les 600 vues. Vous voyez, quand je vois ça, je suis content. J'ai fait du bien aux gens et moi-même, je reçois ce que j'ai fait du bien aux gens. Aimer aider, aimer partager, aimer et ne vous renfermez pas. C'est très, 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 très important. Aider les autres, c'est très, très, très important. Les frères et sœurs, voici un peu. C'est un sujet très vaste. Je vous demande, frères et sœurs, maintenant que nous sommes presque à 13 minutes, de me donner aussi vos points de vue et vos suggestions, vos propositions. Comment être heureux dans la vie? Dites-le moi dans les commentaires. J'insiste sur les relations amoureuses. Il faut aimer, il faut partager ta vie avec quelqu'un qui est comme ton ami d'abord. Ne regardez pas seulement les va-et-vient. Ne regardez pas seulement les... Parce qu'on peut faire va-et-vient là sur des personnes qui ne sont pas nos amis. Hein? Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu là. Il y a les djandjou, il y a les lesbiennes, il y a les tout. Tout le monde se promène dans ce monde là. Hein? Voilà, tu tombes sur elle, tu lui donnes quelque chose, elle te donne. Vous voyez, c'est pas ça. Il faut que ta fiancée, ton fiancé, ta chérie, quand tu es avec elle, tu es content. Pas à cause de ce que tu vas ressentir quand tu seras sur elle. Non, mais même si vous ne faites rien, quand vous êtes ensemble, il faut que. C'est pourquoi il est dit quelque part qu'une femme qui rit là, elle est à moitié dans ton lit. Quand tu arrives à faire rire, sourire une femme là, parce que la femme, c'est en réalité le sens même de la vie. Tu veux comprendre la vie, il faut rentrer dans le sphère de la femme. C'est pourquoi la femme aime beaucoup les enfants. La femme, elle est attentive, elle est intentionnée. Ok, voilà, la femme, c'est comme ça. Quand tu veux faire les mauvaises choses à ta femme, va tout te dire non, ça, c'est pas bon. Même si vous n'avez rien à manger, si tu dis à ta femme, je vais tout faire pour aller braquer à cause de toi, je vais t'envoyer l'argent, les bijoux, elle va dire non, ne le fais pas. Vous voyez, donc c'est pourquoi je respecte beaucoup la femme. Un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, je ne vais pas être trop long. La vidéo est déjà très longue. On va s'arrêter là parce qu'on m'a dit de ne pas faire les vidéos très longues. Voici un peu mon apport. Voici un peu ce que je voulais dire sur comment être heureux. Si vous n'êtes pas encore satisfait, je vais bombarder la deuxième partie. Mais voilà les quelques points. Ne sois pas renfermé. Il faut beaucoup rire. Il faut partager avec tes frères et sœurs. Il faut être fier de ce que tu es. Il faut te faire confiance, il faut croire en toi. Il faut jouer aussi avec tes talents, ok? Il faut beaucoup te concentrer sur les choses qui te permettent de te dégager. S'il y a un film, quand tu regardes, tu es content. Il faut aimer ce feuilleton-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, pour l'instant, chaque deux jours, je vais balancer une vidéo. C'est-à-dire quand je mets une vidéo, je laisse un jour passer, je balance une vidéo. Posez-moi les questions. Donnez-moi le sujet que vous aimeriez que je traite.
sur mon Instagram. Suivez-moi sur Instagram, c'est Herman Ivoirien USA. Suivez-moi sur ma page Facebook, Herman Ivoirien USA. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube, Herman Ivoirien USA. La prochaine vidéo, ça sera sur Develotory parce que les juges ont donné leur décision. Je suis en train de préparer la vidéo. Je vais faire le montage aussi et je vais vous balancer la vidéo avec les preuves à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de me faire confiance. Nous sommes donc 16 000 et plus abonnés. Voilà, allons-y presque. Allons-y maintenant. On entend de courir vers les 20 000 abonnés. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Herman Ivoirien USA. Oh, tu connais déjà la chanson. Herman est là. Herman est là. Herman est là, portez-vous bien. Ah, la sœur elle est toujours contente, elle est la sœur là. Attendez, il y a des chaînes, vous allez la voir. Où est la chaise de la sœur là? Non, elle est contente. Herman Ivoirien USA. Herman est là.